Alors bonsoir et merci à tous d'être présents pour la remise annuelle de notre prix des libraires de bande dessinée 2020. Alors, oui, mais c'est, on est en 2020. Ah, 2019. Bon. L'année dernière, on avait dit 2019 pour 2020. Allez, 2019. Alors, je vous rappelle la manière dont nous procédons. Tous les deux mois, chaque libraire du groupement Canal BD vote pour deux albums. Le résultat de ce vote permet de dégager deux nominés. Après un an, une liste de 12 albums incontournables se dégage parmi la production éditoriale. Et un vote final, auquel chaque libraire participe, détermine le lauréat. Alors je rappelle que le prix l'année dernière a été remis à Nicolas Pétrimo pour le tome 1 de Il faut flinguer Ramirez. Alors, on va donc citer les 12 albums qui sont nominés. Et bien sûr, je vous demande de faire une ovation pour chacun de ces ouvrages, comme d'habitude, car en réalité, ils méritent tous un prix. Alors, chef opérateur, envoyez, s'il vous plaît. Nymphéa Noire de Didier Casgrain et Fred Duval aux éditions Dupuis. Allons-y. Le Dieu Vagabond de Fabrice Dorin aux éditions Sarbacane. Le Dernier Atlas de Hervé Cantrelle, Gwenda Bellman, Fabia Bellman et Fred Blanchard aux éditions Dupuis. Le Patient. Le Patient qui arrive de Timothée Le Bouchon aux éditions Glénat. On y va. Le Loup de Jean-Marc Presset aux éditions Pierre Fermal. Allons-y. Dans la tête de Sherlock Holmes de Bruno Lataran et Cyril Guéraud de l'édition Ankama. Allons-y. In Wave de Haas Vigo de l'édition Casterman. On y va. Les Indes Fourbes de Alain Héron et Franco Garrido aux éditions Delcourt. Ensuite, Mécanique Céleste de Merwan aux éditions Darnaud. Le Château des Animaux comme un de Félix Vélez et David Orso aux éditions Casterman. Préférence système de tous les bienvenus aux éditions de Noël. Waouh! Jusqu'au dernier de Paul Gaspin et Jérôme Félix aux éditions Bambou chez Grand Angle. Alors, comme je le dis souvent, je le dis d'ailleurs sans arrêt, là où les goûts des libraires peuvent diverger, sur les genres, les graphismes ou les scénarios, bref, sur ce qui fait la richesse de la bande dessinée actuelle. Pour la quatrième année consécutive, notre Grand Prix des libraires a été primé à une très large majorité. Le lauréat. Et l'album Laura est... Les Indes Fourbes. Extraordinaire bande dessinée d'aventure que nous livre Alain Héron et Franco Guarnido. Il y a un an, Guy, lors de la présentation des albums de l'année au CGR, nous avait séduit par un album à paraître, un duo incroyable, Héron Guarnido, avec des planches dévoilées magnifiques,
présenté comme un récit des aventures picaresques d'un certain Pablo de Ségovie, une histoire de haut vol, c'est le cas de le lire, et il nous faudra patienter plusieurs mois. Et puis l'album paraît, on le prend en main, belle facture, couverture superbe, peinte à la manière du portrait de Juan de Parera, une toile de Velázquez. On est bien au XVIIe siècle. Le souci du détail, digne des beaux livres à l'ancienne, couverture dos du livre et quatrième ferré à l'or, tranche-fil et signet rouge. Et puis on ouvre le livre, portulant sur la deuxième et troisième de couverture, titre façon incunable, fleurons en page de garde, cul de lampe au début des chapitres, on est dans l'ambiance. Et nous n'allions pas être déçus. Et je le dis de suite, nous étions bien en dessous de ce qui nous avait été promis. Pablo de Ségovie nous conte ses tribulations, ses infortunes, ses rencontres et ses méfaits. On croise des personnages truculents, on découvre ce héros, une canaille, dans une Espagne de la pré-inquisition, en quête de nouveaux espaces, mais surtout en quête d'or et d'argent. On se laisse entraîner par le personnage, on prend tout pour argent comptant, et on se rend compte qu'on s'est laissé berner. Alors merci Alain, merci pour ce scénario et cette mise en scène ciselée comme une dentelle de Flandre. On reste captivé de bout en bout et on relit l'album pour voir comment on a pu se laisser mystifier. Merci Juanjo pour ton dessin, tes cadrages, tes recherches, ta maîtrise. On voyage dans le temps, on admire les bateaux, les paysages, les personnages pittoresques. Et on se dit qu'à ce niveau-là, c'est vraiment du grand art. Merci à vous pour ces 160 pages bien trop courtes. Et aussi, bien sûr, un coup de chapeau à l'éditeur. Voilà. Alain, Juanjo, l'ensemble des libraires Canal BD et moi-même ont le grand plaisir de vous remettre cette année le prix des libraires de bande dessinée de la sélection 2019. Bravo! Soutenu notre bouquin, de l'avoir porté. On est conscient que le succès du livre est beaucoup dû au travail de fond que tous les libraires avaient fait sur le terrain, et ça, on vous en remercie chaleureusement. Vraiment, travail exceptionnel. On était touchés chaque fois qu'on a parlé à des libraires, de voir à quel point vous avez été enthousiaste, que vous avez bossé, travaillé au corps chaque client. J'ai l'impression que vraiment, ça a été, on l'a vu, le travail que vous avez fait, c'est pas par hasard que, je veux dire, c'est pas étranger au fait que vous avez insisté sur ce livre, le fait qu'il a été à ce point offert comme cadeau pour les fêtes. Et on vous en remercie, mais vraiment du fond du cœur. Bravo. Un an, on avait d'ailleurs offert un joli tir à part une planche. C'était
le début, le début peut-être officiel d'une grande et magnifique aventure dont je vous remercierai jamais assez, Alain et Rodro, que de m'avoir permis de la partager avec vous. C'est dans ma vie d'éditeur un des plus beaux moments, c'est un des plus forts. Donc c'était, voilà, c'est magnifique. J'ai pas envie que ça s'arrête, donc on va continuer à faire vivre ce livre. Et tout à l'heure, au début de la réunion, on a une année exceptionnelle, puisque c'est notre plus grand chiffre d'affaires historique, et qui, ce chiffre d'affaires était dû en particulier au succès des Ânes Fourbes, hein, qui était vraiment le sommet du sommet pour nous. Donc, là encore une fois, une histoire extraordinaire, un beau livre qui rencontre à ce point ce public, c'est quand même extraordinaire à vivre. Voilà, donc un grand merci pour votre soutien. Et puis une petite spéciale dédicace à un certain Samuel qui a franchi le cap des 1000 exemplaires vendus. Je pense que ça s'applaudit également.